Bon allez les amis, il faut vraiment que je trouve un village. Mais c'est quoi ça comme table de craft? What? Totem crafter. Attends, mais si je fais ça et je fais ça, qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est hyper cheaté! Ça, c'est Minecraft les amis, et je peux craft des totems, c'est vraiment incroyable et surcheaté. Donc si t'as envie de voir d'autres vidéos de ce type-là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche, ça me ferait énormément plaisir. Comme je te rappelle, il y a l'objectif 100 000 abonnés. N'hésite pas aussi à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que c'est très important, et n'hésite pas à lâcher ton méga pouce bleu et méga commentaire. Ok les amis, et bah c'est parti, let's go, on va voir qu'est-ce que ça donne, le craftage de totems vraiment personnalisés. On va pouvoir faire des totems de tout type, vous allez voir, ça va être incroyable, j'ai hâte de voir ça, let's go, c'est parti, je vais être dans la flotte, génial, je vais devoir crafter comme ça, c'est pas très pratique. Donc on va faire bien sûr une table de craft, parce qu'il nous faut une table de craft pour pouvoir faire tout ça, donc hop. Je sais pas si vous avez vu, regardez-moi ça, hop là, il y avait un petit totem là qui se cachait, hein. C'est le totem de l'intro, hein, bien sûr, hop là, voilà. Donc, comme je disais, table de craft, les amis, voilà, parfait, vous avez rien vu, hein. Faites comme si vous avez rien vu, hein. Tac, hop là, voilà, on va prendre les sticks, on va se faire une belle petite hachouille, on va se faire une belle, bah rien du tout au final, parce qu'on n'a pas assez de bois. Ah, et en plus de ça, j'ai le mode créative. Donc ça n'arrange pas les choses, je ne vais pas pouvoir utiliser ma hache, j'ai utilisé du bois pour rien, yes. Ah ça fait plaisir, hein, clairement ça fait plaisir. Alors on est reparti, on va se faire une pioche, on va se faire une épée du coup, vu qu'on peut pas utiliser notre hache, voilà, et on va faire ça. Du coup on va commencer par le premier totem qui est, bon on peut faire soit de vache, soit de cochon, on peut faire de tous les mobs les amis, les totems sont infinis, je peux faire ça avec de la gunpowder, je peux faire ça avec de la powder, enfin de la poudre de blaze, je peux faire ça avec vraiment beaucoup beaucoup de choses, donc on va tester le maximum qu'on peut, voilà jusqu'où je pourrais aller. Oh, il y a un village. Oh, c'est trop cool. Oh, ma vie est refaite. Oh, clairement, ma vie est refaite. Alors, on va essayer avec bah, tous les mobs possibles et inimaginables, tout ce qu'on peut faire. Et aussi avec les ressources, parce que ça marche aussi avec le fer, ça marche aussi avec l'or, ça marche aussi avec... Et bah, je sais pas quoi d'autre, hein, vous me direz. Mais voilà, on va essayer de tester plein de choses. Hein. Donc, il se fait nuit. Enfin, il se fait nuit. Il fait nuit, on va juste bah, piller un petit peu ce village et surtout dormir. Alors, oh, et ben ça c'est sympa, attends. Eh, c'est trop cool. Alors attends, hop là, il me faut de la place. Voilà. Oh, c'est trop bien, on a une armure. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est le god mode là, hein. Franchement, c'est le god mode. Ce village est juste trop bien, les amis. Genre, je suis refait. Ok, il y a une table de craft. On va prendre le lit. Parce que j'ai complètement zappé de prendre un lit. Je suis trop hypé, les amis, de tester ces totems. Ça va être un truc de barge. Genre, j'ai vraiment hâte. Franchement, vous pouvez pas savoir comment. Mais je sais que c'est tellement compliqué pour tout récupérer. Que je sais pas comment je vais faire. Mais c'est pas grave. On va essayer d'en tester le maximum qu'on peut. Voilà. Alors, petit pouletos, qu'est-ce que tu fais par ici? Viens par ici. Il me faut du poulet. J'ai assez de vaches. On peut faire aussi un totem avec des poulets, donc on va en profiter, on va prendre les poulets. C'est gratuit, c'est offert par la maison, hein, j'ai envie de dire, hein. C'est du KFC sur place, ça c'est cool. Alors ici on est plus sur du McDo, hein. Petite vachette, petite bœuf, petit steak là, hop là, voilà. Alors on va prendre du charbon, on va prendre de la pierre, il nous faut surtout du fer, voilà. Et il faut surtout de l'or et de l'émeraude pour pouvoir faire tout simplement un totem. Mais je pense que les totems, si vous le voulez bien, je me les giverai parce que sinon la vidéo va vraiment durer trop longtemps. Ok, on récupère aussi un tout petit peu de pierre, histoire de se faire des outils en pierre et de plus en avoir marre avec cette hache qui est liée en fin de compte avec le mode que j'ai mis, le World Edit, voilà, qui me permet bah, d'éditer le monde, hein. Ça porte bien son nom, hein, j'ai envie de dire. Là, on a un petit cochonou, encore une fois, on va le tuer, hein. On va en profiter parce qu'on va bientôt aller dans les mines. Donc tout ce que je peux tuer, je le tue sur mon passage, hein, clairement. Et reviens par ici. Oh, mais dis donc, c'est pas possible, arrête de t'enfuir. Ok, on a un poulet là juste ici, encore une fois, avec un œuf. Ça, ça peut être quand même plutôt pratique. On va prendre les deux œufs, on va les lancer en espérant qu'il y ait des poulets.
Eh ben non. Un troisième peut-être. Oh, bébé poulet. On va attendre qu'il grandisse et puis on lui fera la peau, hein. Alors, je suis vraiment tombé au bon endroit parce que là, je peux déjà faire un totem. Bientôt deux, bientôt trois même, je dirais. Regardez-moi ça parce qu'il y a plein de cochons. On va essayer de prendre toutes les ressources. Ça serait bien d'avoir des yeux d'araignée aussi. Donc, on attendra qu'il fasse nuit à un moment donné et on sortira à l'air libre pour aller tuer toutes les araignées possibles et inimaginables. Il y a aussi en abeille, en fin de compte, qu'on peut faire. Donc ça, bah, on s'en chargera. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est un très bon spot. On va le retenir parce que, bah, tout simplement, il y a tout à côté. Il y a même des moutons. Ça, c'est trop cool. Je vais pouvoir me faire tout simplement bah, aussi un totem de moutons. Le cheap totem. Voilà. C'est pas il est cheap, il est de mauvaise qualité. Hein. C'est cheap le mouton. Hein. Oh, la bonne blague. Hein. Pour tous ceux qui ont compris qui parlaient anglais. Hein. Hop là, voilà. On oublie. Voilà. On oublie aussi cette blague. Elle a été à chier. Alors, ça serait bien quand même, n'empêche, parce que là, je tourne en rond, de trouver une grotte. Donc, on va chercher. Eh ben, regardez-moi ça. C'est là où j'ai commencé. Et il y avait une grotte. Et je ne l'ai même pas vue. Alors, avant d'entrer, parce que regardez-moi ça. Il y a un beau petit zombie qui va vouloir cramer au soleil. Il va vouloir bronzer un petit peu. Mais il va s'en rendre compte que c'est pas top, top, top. Alors, on va juste prendre la pierre qu'on avait. On va se faire quelques petits outils. Le bois de même. On va faire redesti. On se fait une belle petite épée. Et là, on est good. On jette ça seulement. Et voilà, c'est parfait. Là, on est vraiment très good. On va récupérer ça. Et on va aller dans la grotte. On va récupérer le fer. On va récupérer plein de choses. Alors, bonjour toi. Hop là, je te fais la peau. Viens par ici. Voilà, parfait. Ah, on peut faire aussi avec la chair de zombie. Un totem. Je le sais, je l'ai vu. On va le faire. On va tester vraiment tous les totems, les amis. Ça sera en fin de vidéo. Mais s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que, bah, y aura tout simplement des choses qui vont se passer durant cette vidéo. Qui vont être plutôt marrantes, je sens. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais mourir à un moment donné pour pouvoir un totem. Ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, ça va être vraiment la merde. Donc, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. C'est très important, s'il vous plaît. C'est pour soutenir ma chaîne. Donc, faites-le. Vous l'avez fait la dernière vidéo. Je vous en remercie. C'était vraiment super cool. Donc, faites de même pour cette vidéo. Ça ne me coûte rien pour moi de le dire et ça coûte rien pour vous de rester juste bah, 3 ou 4 petites minutes de plus. Qu'est-ce que c'est 4 petites minutes dans une vie? C'est rien. Ok, on va récupérer tout ce fer aussi parce qu'on va en profiter aussi pour se faire une belle petite armure. Hein, voilà. Ah, j'ai failli mourir. Génial. Est-ce qu'on peut faire un totem de briquet? Ça, par contre, je ne le sais pas. C'est une très bonne question, je ne me la suis pas posée, et peut-être que oui, hein. Allez, à savoir. Et bah, le meilleur moyen pour le savoir, hein, c'est de tester. Donc on essaye de récupérer tout simplement du flint. Autrement dit, du silex, hein, bien sûr. Ok, bon, c'est déjà ça, on en a récupéré 4. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà mieux que rien. Donc allez, let's go, c'est parti, c'est génial, c'est un cul-de-sac. Alors, j'avais entendu un squelette, donc je crois qu'il y a une cave juste à côté. On va creuser, hein, clairement. On va creuser, on va voir s'il n'y a pas une cave conjointe à côté. Voilà. Et bah dis donc, regardez-moi ça en creusant, qu'est-ce que j'ai trouvé, hein? Et bah dis donc, c'est un portail tout ça. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est beaucoup trop bien. En plus de ça, on a du fer. On a l'obsidienne qui est donnée. C'est génial. On va pouvoir aller dans le Nether pour aller tuer bah, tout simplement des blazes. Oh, c'est trop bien. Et franchement, là, c'est la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Donc, bah les amis, écoutez, on va creuser tout autour. Voilà. Hop là, pour se faire un petit peu plus d'espace. Et puis, bah écoutez, on va se poser ici, hein, clairement. Hop là. Et on va faire notre petit camp ici. Et on va tourner autour, hein, bien sûr. Donc là, je pense, j'entends des mobs qui sont juste derrière. Donc ça doit être la grotte que je cherchais, que j'ai pas trouvé. Mais c'est pas grave, puisqu'on a eu mieux. Hein. Alors, on va se faire 2-3 fours. Voilà, comme ça, au moins, c'est parfait. Voilà, 2-3 fours, on va diviser tout ça. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre, les amis. Ok, bah j'ai trouvé la grotte, regardez-moi ça. Je viens de creuser juste ici. Donc je l'ai trouvé en attendant que le fer se chauffe. Et puis, bah, on ira voir aussi hein, ce qu'il y a. Exactement. Alors, je vais juste faire un petit truc, regardez-moi bien attentivement, au moins je triche devant vous. Enfin voilà, c'est juste pour me donner quelques totems, voilà, histoire bah, de s'en sortir quoi, parce que j'aurais pas le temps de les craft. Moi je vous le dis dans la vidéo, j'aurais pas le temps, ça fait déjà 10 minutes que la vidéo est lancée, j'aurais pas le temps de voir tous les totems et de crafter un par un totem. Donc il faut tellement de ressources que je ne peux pas. Et si vous voulez voir tous les totems, je suis obligé de me les give. Voilà. Alors, on se les pose dans le coffre, voilà. On va en poser une petite dizaine pour l'instant, ça serait déjà pas mal, ok? Comme ça, je vous le montre, je le fais devant vous. Au moins, je ne triche pas, voilà. Enfin, si, je triche, mais devant vous, quoi. Genre, voilà. C'est pas genre, je le fais en off, quoi. Voilà. Hop là, et regardez-moi ça, je repasse en mode survival. Voilà, parfait.
Donc, eh ben écoutez, on va voir où ça en est, le fer. Alors, eh ben, le fer, c'est fini. Donc, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre tous les totems qu'on peut d'ores et déjà faire sur le côté. Donc, on peut faire des steaks, on peut faire aussi de fer, on peut bientôt faire de poulet. Le silex, je ne sais pas si on peut faire avec tout simplement, comme je vous ai dit, deux briquets, un totem de briquets, mais on verra ça ensemble. Eh bah, écoutez, les amis, je viens de gaspiller du fer pour rien. Je me rappelais plus que j'avais le plastron et le casque. Eh bah, tant pis, c'est pas grave. On aura pratiquement toute l'armure. Eh bah, écoutez, regarde-moi ça. On peut déjà d'ores et déjà faire trois de totems. Regarde-moi ça. Je vais les faire sous vos yeux, comme ça, au moins, vous le voyez. Donc tout simplement, il faut prendre un totem dans notre main, le jeter par-dessus. Et regardez-moi ça, la table de craft s'est changée en totem crafter. C'est incroyable. Et là du coup, on va prendre les trois premiers. Voilà, on va en prendre un, deux, trois aussi. Et on va d'ores et déjà les crafter pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc là, on a le Iron Golem totem. Donc ça, c'est génial. J'y crois pas que ça marche. Oh, c'est incroyable. On a le Pig totem, le Pig totem. Et on a aussi... celui de bœuf, donc on doit avoir le co-totem. Voilà, parfait. Eh ben écoutez, c'est pas mal là pour l'instant. On va se refaire une table de craft classique qu'on va poser juste ici. Et on va se faire un petit coffre. Enfin, un autre petit coffre pour pouvoir ranger les... peut-être pas les totems, les choses qui sont vraiment plus utiles. Et ben voilà, allez, let's go, c'est parti. On va à l'aventure, les amis. On va chercher de la viande de zombie, on va chercher plein de choses. Oh, waouh, what? C'est quoi tout ça? What the fuck, j'aurais dû me faire un bouclier. Oh, c'est horrible. Oh, yes! Oh, mais ça me donne tellement de choses. Oh, je suis trop content, enfin, en fin de compte. Hop là, voilà, tiens, viens par ici, toi aussi. Yes! Oh, c'est trop bien. Oh, c'est beaucoup trop bien, les amis. Je suis aux anges. Oh, j'ai 6 nonos. Et ben, il m'en faut encore quelques-uns. Ça serait bien d'avoir de la gunpowder. Ah! Je m'y attendais pas. Non! Barre-toi! Non! Mais donnez-moi de la gunpowder! Explosez pas devant mon nez! Alors, c'est des vraies galeries, ça. Donc, ça fait plaisir. Ça serait bien de trouver aussi du diamant. Parce que si j'ai envie de faire le portail, d'aller dans le Nether, aller trouver des Enderman et des Blaze, pour pouvoir faire d'autres totems, et bien, tout simplement, il va me falloir tout ça. Voilà. Ok, celui-là, il m'a donné de la chair. Donc, ça, c'est cool. Ok, un squelette en approche. Aïe! Oh, ça fait mal! Dis donc! Saleté, va! Voilà, donne-moi des nonos. Ok, et bah parfait. On peut faire un quatrième totem, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, voilà. On va aller le crafter. Comme ça, au moins, voilà, on les fait au compte-gouttes. Ok, petite table de craft. On prend un totem vierge. On prend le totem et on met les nonos tout autour. Et voilà, skeleton totem. On va tout tester, hein. Vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, on va tout tester. Ça va être vraiment incroyable, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. En voyant ces totems-là, là, oh, j'ai l'impression que je vais être, mais genre, Dieu tout-puissant, quoi. Eh ben, regardez-moi ça, les amis, j'ai creusé au niveau de la source d'eau qu'il y avait dans la grotte, parce que bah, c'était un cul-de-sac, et regardez-moi ça, où je tombe dans une crevasse, les amis. Oh, c'est incroyable, on a du lapis lazuli. Je sais qu'on ne peut pas faire de totem en lapis lazuli, donc c'est pas grave. Il y a une sorcière juste en... Oh, qui va me jeter des potions. Bien, voilà. Bien vu. Aïe! Oh! Oh, la sagouine! Oh, la sagouine! Elle a voulu attenter à ma vie. Oh, viens par ici. Oh, tu vas prendre tarif. Oh, viens par ici. Oh là 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 là, je vais mourir. Je vais mourir. Oh là là, ma vie. Oh, ma vie. Oh, ma vie. Oh, Marie, si tu savais tout le mal que tu m'as fait. Non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça qu'il fallait dire. Hein. Alors, bah attendez, je vais remonter. Je suis obligé de remonter juste pour aller chercher de la nourriture. Ok, panique à bord, écarté. Ça, c'est quand même plutôt cool. Alors, tout ce qui me reste comme nourriture, je vais le prendre et je vais le faire cuire. Alors, j'ai retrouvé du fer qu'il y avait dans les fours. Je vais me faire les bottes, ce qui me manquait au final. Et puis, bah voilà, c'est bon, c'est parfait. Regarde-moi ça. Pas beau tout ça? Ok les amis, c'est bon, on a toute notre nourriture, on va redescendre, on va recréer le petit chemin, voilà, comme ceci, histoire que ça soit propre, voilà, c'est propre. Et puis bah écoutez, on va aller à la recherche, enfin on va aller dans la crevasse, on va surtout prendre un petit peu de fer encore, parce que j'ai remarqué que je ne m'avais pas fait d'outils,
que j'avais pas fait en fin de compte, d'outils en fer, donc ça serait bien d'en faire un petit peu. Et puis on va pas tarder à aller dans le Nether, on va aller chercher des blazes, on va faire tout ça, et après on va tester tous les totems. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, ça va être vraiment incroyable quand je vais tous les tester en chaîne, parce qu'on va voir qu'est-ce qui dump, qu'est-ce qui drop, et exactement, ça va être vraiment incroyable. Alors désolé un petit peu pour l'attente, mais ça en vaut la chandelle tout simplement d'attendre un petit peu que j'ai à peu près tous les totems que je pense en tête. Et même d'ailleurs, si la vidéo vous a plu, je pourrais même faire un deuxième épisode pour vous montrer un petit peu le restant des totems qu'il peut y avoir. Ils sont juste oufissimes, parce que là ça va être une infime partie que je vais faire. Donc si vous avez surkiffé la vidéo, dites-le moi dans les commentaires, en me laissant un petit commentaire, voilà. Et puis de toute façon je le verrai en fonction des vues et tout simplement aussi des vues, c'est tout. Et de combien de temps vous êtes resté, voilà c'est ça. Et de combien de temps vous êtes resté sur la vidéo, et je verrai si ça vous a plu, voilà. Alors on va se faire une belle petite pioche, et on va peut-être se faire une hache. Pas mal. Alors, j'ai vu qu'il y avait un bloc d'or juste ici. Donc on va... Ah ! Je veux le récupérer. Aïe, je me brûle les fesses. Alors, je veux le récupérer. Voilà, parfait. On l'a récupéré. On va le poser. Et normalement, on en a 9. Et ben ok, ça c'est déjà bien. On n'a pas besoin d'aller chercher des golds de l'or, quoi. Donc là, on a fait un autre totem, le Piglin Totem. Waouh, c'est juste incroyable. Allez, let's go, c'est parti. On va à l'aventure. On va chercher... Qu'est-ce qu'on va chercher? De l'or pour casser de l'obsidienne. Voilà, c'est ça. De l'or. Du diamant, je voulais dire. Donc, on repasse dans notre trou de hobbit qu'on a fait. Voilà. Là, on descend. Et là... Ah! Au secours, je suis bloqué. Help! Help me! Non, mais c'est pas possible. Vas-y, allez bien. Ah! Et ben voilà. Et ben voilà, le karma pour toi. Eh, mais... Oh, il est toujours pas mort. Il a survécu. Oh, le petit saligo, il a survécu. Oh non, pas dans la lave. Ok, c'est bon, et oh, il y a du diamant. Oh, trop bien, il y a du diamant. Oh là 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 là. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien, les amis. Alors, est-ce qu'il y a de la lave? Oui. Et oui. On va faire la bonne petite technique. Non, pas ici. Ok, là, normalement, je pense qu'ils doivent être safe. Yes, c'est bon. Ils sont safe. Parfait. Et ben voilà, on a eu des diamants. On en a eu 5. Et c'était un filon de 5. Incroyable. Et ben voilà, c'est bon. On a eu nos diamants. Et ben on peut aller dans les heures, aller trouver une forteresse. Trouver des Undermans, tuer des Undermans, prendre des Undermans, enfin des Underperles, bah, j'ai raté ce que je voulais dire, c'est pas grave. Des Underperles, prendre des bâtons de Blaze, et après on revient, on fait les deux derniers totems que j'ai en tête, tout simplement. Et après on teste le tout. Il y a aussi les Creepers que j'aimerais bien tester, donc on va essayer d'en tuer. Ah! Bah j'arriverai pas à les tuer, donc c'est pas grave. Je vais quand même réussir à avoir une Gunpowder quand même, non? Ah bah voilà, ah bah non. Bah non, il m'en a pas drop. Et bah tant pis, on fera pas le creeper. Ok, parfait. Donc là, petite pioche en diamant. Et maintenant, on change tous ces blocs. Enfin, juste ce bloc-là, parce qu'il en manque juste un. Avec de l'obsidiane. Et on sera good pour faire tout simplement le portail. Alors, je vais juste prendre aussi mes silex. Ils sont où mes silex? Ah, ils sont là. Hop là, silex. Et on va tout simplement... Ah, je me dis bien qu'il me restait un petit peu de fer. Heureusement. Sinon, ça aurait été la Bérésina. Bah écoutez, vous savez quoi? On va en profiter pour faire d'autres briquets. Juste pour voir si ça fonctionne. Alors, on place le bloc. Et maintenant, on se retrouve de l'autre côté. Allez, ciao, bye bye. On se retrouve. Ok, parfait. Alors, regardez-moi ça. Où on spawn dans une grande plaine. Et bah écoutez, let's go, c'est parti. On va chercher une forteresse. Alors, on est toujours à la recherche d'une forteresse. Oh, bah c'est trop bien. Bah voilà, c'est bon. On a notre forteresse. Oh! C'est bon, on a réussi à le tuer, tant mieux. En plus de ça, on a piqué son arc. Donc ça, c'est vraiment très cool. Alors, je vais juste tester aussi si on peut faire un totem mushroom. J'en ai aucune idée si on peut, mais je vais quand même tester. Eh ben, let's go, c'est parfait. Eh ben, on va chercher les blazes, on les tue. On essaye d'avoir un petit peu de... 8 de poudre de blaze. Et puis après, on sera good, les amis. Ah, bah voilà, un beau petit blaze. Ok, il est au centre. Hop là, toi, Wither Squelette. Tu es mort. Ah, ah, ah. Oh, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait un deuxième. Il va me sauter dessus, je le sens. Ok, tu es mort. C'est moi qui décide, tu es mort. Ok, j'ai trouvé le spawner. Ça, c'est cool. Ok, il y en a plein. Wouh. Oh, ça chauffe. Ça chauffe les fesses, hein. Wouh, je vais mourir, je vais mourir. Ah, je vais mourir. Non, je suis mort. Ok, c'est bon, je m'enfuis les amis pour l'instant parce que j'ai réussi quand même à récupérer mon stuff très rapidement. Ok, c'est bon. Wouh! Ok, on est sauvé, on est sorti de l'auberge, on a récupéré une partie de notre stuff. Hop là, donc là, ça déconne plus les amis, c'est bon, j'en ai un peu plus que marre.
on va tout simplement... Bah j'ai pas assez. J'aurais pas dû faire cette table de craft, j'aurais eu assez. Eh ben c'est pas grave, on va y retourner, on va essayer de se la jouer fine et de les tuer. Let's go, c'est parti. Ok, c'est bon, ils ont spawn. Voilà. Ah, ça va tout de suite mieux hein, avec une épée en diamant. Tu m'étonnes. Non, 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 non. Eh ben viens, pourquoi t'as peur? Allez, viens. Ah, mais non. Mais c'est pas possible, tu joues avec moi, c'est ça? Coucou. Ok, on en a eu un et ça en donne deux. Ok, c'était juste pour savoir combien ça en donnait. Ça en donne deux. Ok, très bien. Toi, t'es bloqué. Reste bloqué. Ça m'arrange, hein. Non, mais c'est pas possible. Il me brûle. Ok, on va essayer de l'attaquer. Ok, on a tout esquivé. Tant mieux. Ok, on l'a tué. Viens par ici, toi. Eh bien... Ah, au secours. J'ai pas toute ma vie, en plus. Ok, il est mort. On récupère ça. Ok, c'est bon. On a eu ce qu'on voulait. On se taille maintenant, les amis. Let's go, c'est parti. On en a 10. Je les ai transformés. Donc maintenant, eh ben, je pense qu'on va juste rentrer au bercail. Parce que là, j'ai tellement pris cher... qu'on n'aura pas la foi de faire l'Underman, enfin le totem Underman. Donc je vais juste me mettre en mode créatif et je le ferai juste pour vos beaux yeux, voilà. Et le Creeper aussi, et allez, let's go, c'est parti. What the fuck? Ça m'a fait apparaître ici? Mais pourquoi? What? Attendez, je comprends pas du tout. Ça m'a fait apparaître en dessous et pas au-dessus. Ah, mais je sais pourquoi. C'est bon, j'ai trouvé, j'ai compris pourquoi. C'est parce que tout simplement, à un moment donné, il y a un gaz qui a détruit le portail. Et quand je les recrape, bah, je pense que ça l'a... Ah! Et bah ça a dû tout simplement... ça a dû tout simplement le régénérer autre part. Et bah voilà, c'est bon, on est de retour au bercail. Et c'est bien ce que je disais, mon portail a été détruit pendant que le gaz bah, tirait. Et voilà, qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc là je l'ai rallumé, et bah écoutez, c'est bon, let's go, c'est parti. On va faire le dernier totem qu'on peut faire nous-mêmes. Voilà, comme ceci, et comme ceci, regardez-moi ça, il est pas beau celui-là. Oh là là, le Blaze Totem, oh, il est incroyable, j'adore, j'adore, je kiffe. Bon, alors, trêve de bavardage, là cette fois-ci les amis, je vais me mettre en mode créatif, voilà. C'est pour la bonne cause que je le fais, donc Powder, voilà, on va en prendre... 9, voilà, on va en prendre 9 aussi de ça, voilà, et on n'a pas fait les Underman, donc Under, Perle, voilà, et on va en mettre bah, à la place de ça, bon allez, les 16, comme ça, voilà. Alors, on prend 3 totems, 2, 3, voilà, on va aller à la table de craft et on va les faire, let's go, c'est parti. Alors, on a celui de Creeper, on a celui de Zombie, et on a celui d'Underman, et bah voilà, c'est parfait. Et ben voilà, je pense que là, on est au complet, les amis. Je pourrais pas faire mieux en termes de totem pour aujourd'hui. Et si vous avez vraiment surkiffé cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Et je ferai tout simplement une deuxième vidéo pour tous les autres totems qu'on peut avoir dans le jeu. Voilà, parce que ça, c'est qu'une infime partie de ce qu'on peut avoir, hein. Clairement, je vous le dis. Hein. Et ben écoutez, les amis, pour tester... Il manque plus qu'une seule chose, c'est de remonter à la surface. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, regarde-moi ça. Ah, bah là, je me suis remis en mode normal. Hop là, on va remonter à la surface, voilà, comme ceci. Et là, on se remet en mode normal, voilà. Ensuite, les amis, il manque plus qu'à mettre un totem dans notre main. Et on va commencer par le Blaze, ok? Allez, let's go, c'est parti, on teste tous les totems un par un. Là, ça va être vraiment incroyable. Qu'est-ce que ça donne? Ouh, wow! Ah ouais! Oh là là, la dinguerie! Oh la dinguerie! Oh, qu'est-ce que ça m'a donné là? Alors attendez, ça m'a donné des livres, ça m'a donné des livres et ça m'a donné aussi un Thorn 1. Oh le, oh la dinguerie, des Blaze aussi, des voilà. Donc ça c'était le Blaze qu'on a utilisé. Maintenant on va tester tout simplement avec le Skeleton. Oh non, Fire Resistance. Ah bah non, bah alors je vais me noyer. Alors ça donne aussi des pouvoirs, j'avais pas vu. Ça m'a donné Régénération et ça m'a donné Fire Resistance. Franchement c'est trop craqué ces totems. Hein. Bon bah 3 ans plus tard on se retrouve hein, les amis. Hein. Allez, c'est parti. Je commence à suffoquer. Ça, c'est cool. Je suis en train de me noyer. Donc là, on utilise le Skeleton Totem. Donc, tout simplement, le totem de squelette. Ah bah ouais, ok, d'accord. Ok, ça m'a drop plein de flèches. Ça m'a drop plein d'os. Oh, oh, le truc de barge. Oh, c'est trop bien. Et ça m'a drop des livres aussi, encore une fois. Oh, c'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Alors, pour y voir quelque chose, quand même, les amis, pendant que nous, on est en train de les tester... On va faire ça. Alors, on a eu Power 2, Power 2, Power 2. Ok, on a eu que des Power 2. Oh, on a eu des Splash aussi, j'avais pas vu ça. On a eu des Splash sur le totem de Blaze. Donc maintenant, on va tester le totem de Zombie. Après, on va tester celui de Creeper, de Piglin. Voilà, je les ai rangés dans l'ordre, comme ça on sait, les amis.
Alors, écoutez, là, je n'ai plus de d'effet. Donc là, on va pouvoir mourir tranquillou. Donc, on va prendre le zombie totem. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. J'espère pas trop de la merde. Ok, qu'est-ce que ça m'a donné? Oh non, de la chair à pâté, mais j'y crois pas. Oh non! Ah, par contre, ça m'a donné plein de bouquins sharpness. Ça, c'est très cool. Ok, donc chaque totem a une spécificité, tout simplement. Il y en a un qui donne Thorn, il y en a un qui donne Régénération, enfin, il y en a un qui donne Sharpness, il y en a un qui donne Power. Donc ça, c'est vraiment très cool. Maintenant, on va tester le Creeper. Eh ben, écoutez, on se retrouve dans 10 minutes, quand je serai en train de suffoquer. Je suis en train de suffoquer. Non, je rigole, c'est bon. Voilà, ce n'est qu'un jeu. On va attendre de mourir, hein, clairement. Je suis en train de suffoquer. Oh non, au secours, aidez-moi! Eh ben non, c'est bon. Oh, de la TNT! Oh, de la TNT! Oh, c'est hyper cheaté! Oh! Oh, c'est trop bien! Qu'est-ce que ça m'a donné comme bouquin? Blast of Protection. Logique. Logique, logique, logique. Écoute, on va récupérer toute cette TNT, hein, écoute, frérot. Et puis, écoute, hop là, on va en jeter quelques-uns. Voilà, comme ceci. C'est juste incroyable. Alors, on va faire le piglin. Hop là, on le prend en main, on attend. Regardez-moi ça. On est en train de mourir petit à petit, à petit feu, comme on peut dire. Et attention. What? Oh, mais c'est craqué. Oh, ça donne de l'or. Oh, ça donne de l'or en masse. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est beaucoup trop bien. Et on a piercing. Ok, d'accord. Oh, c'est trop bien. Franchement, ces totems, c'est la vie, les amis. Mais vraiment la vie. Je kiffe. Eh bien, écoutez, on va se renoyer un coup. Hein. Allez. Ok, c'est bon. Regardez-moi ça. La vache, c'est fait. Eh bien, ok, d'accord. Ça donne des bouquins. Ce qui est tout à fait logique. Et de la nourriture. Donc, ça, c'est trop cool. Regardez-moi ça. Miam, 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 miam. C'est comestible. C'est juste trop bien. Donc, le pig, je suppose que ça doit être de la viande. On a toujours l'effet. Dans 20 secondes, il s'en va. Eh bien, écoutez, on va faire le pig dans l'eau aussi. Let's go, c'est parti. On va tester. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, la vache, c'est quand même plutôt cool parce qu'on a de la nourriture gratos. Donc, ça, c'est vraiment super cool. Ok, c'est bon. On y est presque, les amis, pour le cochon. Et ben voilà, ça donne des carottes. Et ça donne des carottes en or. Ça, c'est trop cool. Et ça donne aussi tout simplement de la viande de porc. Donc, ça, c'est totalement logique. De toute façon, quand il y avait tout simplement la vachette, j'ai tout de suite compris que ça allait être aussi de la viande. Mais je ne pensais pas du tout que ça allait être des carottes. Donc, c'est agréablement surpris. Franchement, c'est juste trop cool. J'adore. Et bah, écoutez, il nous reste les deux totems les plus importants à tester, qui est l'Underman et l'Iron Golem. Donc, mettez pause là tout de suite maintenant. Vous me dites qu'est-ce qu'ils peuvent drop ces deux totems-là. L'Underman en premier. L'Iron Golem Totem, dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que ça peut drop. Et allez, let's go, c'est parti. Moi, je vais me faire flamber, hein. Voilà, comme un bon petit barbecue. Regarde-moi ça. Ok, on y est presque, attention. Oh, oh là 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 là. Ah ouais, ok, d'accord. Oh, c'est trop bien. Eh ben, ok, d'accord. Ça fait spawn des Underpearls et tout simplement aussi des Chorus Fruits. Donc, ça, c'est trop cool. C'est juste trop cool. Et bah écoutez, il nous reste plus qu'un seul à tester. J'espère que vous avez eu bon sur l'Underman Totem. Voilà. Et bah maintenant, il reste plus que l'Iron Golem. Moi, je mettrai ma main à couper à ce que ça soit juste de l'or. Voilà, tout simplement. Et des blocs d'or. Et aussi peut-être des livres ou un truc comme ça. Mais ça, de l'or. Du fer, je voulais dire. Ça va être du fer. Bloc de fer ou bloc de fer. On verra. Donc bah écoutez, je vais me faire flamber la figure. Voilà, comme d'habitude. Regardez-moi ça, on est tout beau, tout joli. Et on va voir qu'est-ce que ça drop. J'ai vraiment trop hâte. Let's go, c'est parti. Attention. Wouhou! Eh ben, c'est bon, j'avais vu juste. C'est tout simplement du fer que ça drop. Donc, ça, c'est trop cool. J'espère que vous aussi, vous avez eu bon. Et aussi des fleurs. Et ça m'a donné des livres de Protection 2. Donc, ça, c'est trop cool. Et des arbalètes. Et une potion de résistance 3. Et une. Eh ben, c'est tout. Résistance 3. Eh ben, franchement, trop cool. Genre, c'est juste trop cool. Bon, bah écoutez, les amis, bah voilà, c'est tous les totems que moi j'ai pu faire en survie pour l'instant. Écoutez, si vous voulez tout simplement un deuxième épisode, et bah dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Dites-moi quel totem vous avez préféré sur cette vidéo. Et si tout simplement vous voulez un deuxième épisode pour voir tous les autres totems qu'il y a tout simplement en personnalisé. Donc, et bah sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche, ça me ferait énormément plaisir. Comme je vous le rappelle, objectif.
l'objectif 100 000 abonnés, si c'est possible, avant la fin de l'année. Ça serait vraiment super cool. N'hésitez pas aussi à lâcher votre meilleur pouce bleu, du coup, et votre commentaire, voilà, tout simplement. Et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, parce que c'était la meilleure façon de soutenir ma chaîne, donc merci infiniment. Et écoutez, il fait nuit, donc je vais vous dire bonne nuit, les amis. Ciao, ciao.